n'empêche que Julien, vous êtes content de les voir. C'est la première fois que vous y allez ou pas? Vous allez les voir? C'est la première fois parce que pour être franc, moi je préfère les petites salles. Par exemple, je suis allé voir Muse, c'est pareil, c'est beaucoup d'émotions à la salle Playel. Et je préfère les petites salles. Là, vous savez qu'à ce moment-là, malheureusement, c'est un peu la fin. Donc vous savez que si j'allais. Salut tout le monde, c'est Zorg. Et donc aujourd'hui, bah, on est le 14 août 2024. Bon, bah, il est 1h du matin. Et donc je suis chez moi. Et devant chez moi, j'ai un beau bébé. J'ai un beau bébé, par contre, c'est juste dommage que cette caméra, c'est de la merde. Qu'on ne voit rien. Parce que je vous garantis que tous les flashs que vous voyez, eh ben moi je les vois en x 1000, et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et si je dis pas de conneries, on a un orage multicellulaire. Il me semble que j'avais vu ça. Mais bah première vue, c'est un orage tout à fait banal, mais qui est beaucoup plus poussé, quoi. Et j'ai plus l'impression de voir peut-être à la limite une super cellule. Mais et bon, là, clairement, on n'a pas. C'est pas une super cellule. Juste un orage classique avec plus d'activité. Donc voilà. Donc je suis chez moi en fait. Hein. Parce que bah, et du coup, je bosse juste après, je peux pas faire de chasse mobile, du coup. Et là, l'orage, il est encore loin. Oh, j'ai encore loin et j'entends le bruit d'ici. Alors du coup, je suis parti au petit coin, donc de l'autre côté de la maison, hein, en fait. L'autre côté, côté nord, parce que là on est côté sud. Et en fait, je pense qu'on est à l'intérieur du système, parce qu'il y a des éclairs de partout. Est, ouest, nord, sud. Donc ouais, bon, je pensais que c'était... on était encore un peu loin, mais on est dedans. Et putain, c'est beau. Ah, je suis content. Juste dommage que... Juste dommage que c'est à 1h du matin. Et c'est dommage que... Enfin, c'est les orages nocturnes, c'est toujours les plus beaux en termes d'éclairs. Et après, je vois pas trop la structure. Je voyais un peu la, je crois, l'enclume dans le fond. Et je la vois même plus. Par contre, il fait vachement bon. Il fait lourd dans le bâtiment, mais dehors. Oh putain. Là, c'est le rêve. Bon, excusez-moi si je suis en mode mec défoncé, mais je viens à peine de me réveiller. Il est 1h du matin. Alors que normalement je suis censé me lever à 4h. Enfin bon. Voilà.
Putain, les gens, je vais me prendre pour un taré. Je viens de remarquer un truc, le vent est en train de se lever. Ce qui est soit bon ou soit pas bon. Généralement, ça veut dire que on va faire du carpeting. Donc en gros, on risque de passer dans un des noyaux. Un des noyaux, comme apparemment c'est un multicellulaire. Oh, ça a l'air de moins cogné. Et à moins d'éclair. Ah, ça y est. Bon, bah, je crois qu'en fait, on est en train de le passer. Je sais pas. En tout cas, moi, ça fait 8 minutes que je filme. Donc, je vais peut-être arrêter. Parce que bon, on n'est pas vraiment dedans. Bah, pour le moment, je vais arrêter, mais je sais pas si je vous quitte tout de suite ou pas. Je sais pas si on pourra passer dedans. Mais à mon avis, vu le vent, il y a de fortes chances que oui. Bon, bah, il a commencé à pleuvoir. Il y a quoi? Il y a 5 minutes. Ça a commencé par 2-3 grêlons vite fait, puis bah là c'est des gouttes de pluie de ce qu'il y a de plus classique, donc bah tant mieux j'ai envie de dire. Pour le moment on est en zone de précipitation, mais on n'est pas dans le noyau même de l'orage. Je pense qu'on va pas tarder à y passer parce que les éclairs s'avancent et puis au loin bah, je vois que c'est brumeux. Je vois que c'est une zone brumeuse alors voilà. Bon, bah écoutez, c'est sur ça que je vais vous laisser, sur ces belles images d'éclairs. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Zork. Ciao, ciao.
Putain, lui, il était pas loin.